Si l'on ne fait pas pour ça, alors y a-t-il des raisons d'espérer encore? On se fout de tout, œil détourné, pas concerné. Vogue la galère, c'est pour les autres. Ouf, juste pas les nôtres. Triste pensée de cœur obscur, faut pas que ça dure. De... L'association Adrien, je l'ai créée en 2005. Mon fils était atteint d'une maladie orpheline incurable qui s'appelait l'HTAP, l'hypertension pulmonaire artérielle primitive sévère, dite insuffisance respiratoire. Et donc, en 2003, j'ai décidé d'abord de me reconstruire, de faire le deuil du décès de mon fils, Adrien, et de réfléchir au chemin que j'allais emprunter dans ma vie. Et le chemin que j'ai voulu emprunter dans ma vie, c'est de créer une association. Donc l'association Adrien, qui a été créée le 27 mai 2005, pour venir en aide aux enfants malades. Spiderman, tu me diras si ça te va. Hein. Ouais. Ouais. Là, je vais être un peu en mode. Ouais, ouais, c'est le modèle. Lorsqu'on est confronté à la maladie et qu'on est régulièrement dans les hôpitaux, on a envie de voir autre chose, on a envie de voir de la couleur, on a envie de rigoler, de s'amuser, d'échanger, de communiquer avec d'autres parents. Donc j'avais envie de donner un sens à tous les moments que j'ai passés dans les hôpitaux où on était isolé, triste, et c'est pas dans ces moments-là qu'on puise notre force. Et bonjour les super-héros. Bonjour. Pika, comment ça va aujourd'hui? Pika, ça va, merci. Hein. Alors, on va s'arrêter d'abord à la première chambre. On va aller voir Abdou qui nous attend avec grande impatience. Abdou, coucou, regarde un peu qui y a. Pika. J'ai souhaité créer cette association en donnant un sens au quotidien des enfants pour leur permettre de gagner en énergie positive, c'est important. Le moral a un impact prépondérant face à la maladie, donc il faut absolument leur donner du bonheur, de la magie à tous ces enfants. Et quand on pénètre dans leur chambre, c'est fantastique, c'est extraordinaire l'amour qui règne entre eux et nous, c'est magique et on est là pour leur donner, mais aussi nous en donnent beaucoup à travers leur sourire, à travers leur regard. C'est tellement important de donner parce que ces enfants ont besoin de nous. Et donc l'association Adrien a un sens vraiment important dans le quotidien de ces enfants-là. T'aimes bien la musique? Lorsque j'ai créé l'association Adrien, on était 4. Et aujourd'hui, on est plus de 40 bénévoles. Et moi, j'ai envie de me surpasser pour tous ces enfants qui se battent et qui n'ont rien demandé à personne. Mais ce travail-là, c'est un travail collectif. L'individualité ne fonctionne pas et ces 40 bénévoles sont extraordinaires. En 11 ans d'existence, on a organisé plus de 300 événements. Des voyages à Disneyland Paris, à Hoki Corral, au parc Astérix, et puis également à Marineland, dans des endroits magiques où les enfants
respire la vie, le bonheur, où on ne pense pas à son quotidien, on ne pense pas à son hospitalisation, c'est tellement important. Et toutes ces sorties, il y a eu des baptêmes d'avion, des baptêmes d'initiation aussi également de jet ski, des initiations de tennis, des rencontres avec des sportifs, avec des clubs sportifs comme l'OGC Nice, l'AS Monaco, mais aussi également des basketteurs aussi d'Antibes. Donc les enfants font énormément de sorties, à savoir ça correspond à peu près à 4 sorties par mois. Et le Japon, quand fait-on le Japon? On dit c'est pas dit, et pas que les sushis. Le pémanga, on en est tout gaga. Ne perdons plus. L'association Adrien organise tout au long de l'année des manifestations pour obtenir des fonds, donc savoir des vide-greniers, des soirées, des tournois de foot, et puis également par le biais des partenaires publics, des subventions de mairie, la subvention du conseil régional, du conseil général des Alpes-Maritimes, mais également des fonds propres, c'est-à-dire que des familles font des dons à l'association, qui peuvent récupérer 66% ou 60% pour les sociétés. Au jour d'aujourd'hui, il est important de souligner, c'est qu'on a mis de côté pour notre projet de maison d'Adrien 300 000 euros, ce qui est une belle somme, mais qui n'est pas suffisante pour un projet de 1 400 000 euros. L'association Adrien, c'est aussi également acheter du matériel médical. Nous en avons acheté pas mal dans les hôpitaux du département des Alpes-Maritimes, mais aussi également du Var. C'est aussi l'aide à travers des logiciels que nous avons achetés avec des ordinateurs que nous avons mis à disposition des hôpitaux pour que les enfants puissent, malgré leur absence dans les écoles, avoir des logiciels éducatifs, mais également aussi ces aides financières pour aider ces familles qui sont dans le désarroi. Et ça, ça arrive régulièrement. Et donc, on essaye d'aider un maximum de familles en payant une facture ou en les aidant financièrement dans leur quotidien. Nous souhaitons au jour d'aujourd'hui créer une maison, la première maison des super-héros, le premier centre de vacances dans le département des Alpes-Maritimes. Cette maison de 600 mètres carrés est essentielle pour apporter du bonheur aux enfants au quotidien pendant toute l'année. Cette maison qui aurait 10 chambres permettrait d'accueillir des enfants de toute la France, mais surtout je pense à nos enfants corses, à toutes les familles corses qui viennent sur le continent se soigner, qui galèrent pour trouver un logement et qui feront des activités ludiques, culturelles, artistiques, sportives, qui leur permettront de s'évader et surtout de se retrouver en famille, de se retrouver entre familles qui ont vécu la même expérience. Ça va ? On écrit sur les murs de notre secondaire des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos vers.
on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos histoires en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi. Un beau jour sur le monde endormi. On peut les applaudir. Thank you.